Madame, Monsieur, bienvenue à la capsule de sport de ce jour sur Reflet d'Afrique Télévision. À la une, football féminin, les feux sont bientôt lâchés. En concordance avec le début du championnat masculin ce vendredi, le championnat dames de la discipline lui prend ses marques. Enlevé des rideaux de la rencontre Colombe du Djaïlobon Baboutos de Bouda prévue à 18h30, le stade Amadou Ahidjo va vibrer au rythme des chants et cris des dames. À 16h, sur ces mêmes installations, Canon Fille de Yaoundé va recevoir l'équipe de Vision FC de Bamenda. Mieux vendu par la sélection nationale de football, le football féminin au Cameroun sort progressivement des fonds baptismaux pour prendre sa place à la table de sa nouvelle naissance. Jeux mondiaux militaires, les Camerounaises en ordre de marche. Si le tournoi démarre demain en Chine, les Camerounaises pour leur part y sont depuis lundi. Dans la liste des 21 joueuses retenues, quelques noms bien connus au pays sortent du lot. En outre d'Annette Ngondom, le groupe compte à son sein plusieurs autres internationales comme Isis Sonkin, Ngombele Geneviève Akaba, Henriette, Alexandre Takunda. Jusqu'au 27 octobre prochain, les Lions vont affronter d'abord au premier tour le Brésil, la France et la Corée du Nord, logés tous dans la poule B. En rappel, la compétition regroupe 8 équipes réparties en 2 poules. Football jeune, JB Kadi aux affaires. Le technocrate et fondateur d'une école de football au Cameroun est depuis ce mercredi le président de la Ligue du football jeune. Celui qu'on présente comme le formateur de plusieurs grands footballeurs du pays a du pain sur la planche. Sans attendre, le 10 championnat devrait commencer le mois prochain. Après cette mise en place, le Cameroun offre une autre possibilité aux joueurs de la catégorie U15 et 17 de s'exprimer. Reste à présent au club, centre de formation et école de foot de s'arrimer aux normes pour qu'un championnat de qualité. Coupe du monde U17, Thomas Liby respecte la loi. Le sélectionneur camerounais de la catégorie a rendu publique sa liste de 21 joueurs qui vont prendre part à ce grand rassemblement mondial du football. Contrairement à certaines indiscrétions, aucun joueur expatrié ne figure dans cette liste. Les 6 joueurs venus renforcer cette équipe du côté du Brésil ne sont pas retenus. Il s'agit de Gilles Nokwe de Saint-Étienne, Jordan Konango de l'AS Monaco, Aurel Tiki de l'Olympique Lyonnais, Enzo Chato de Montpellier, Étienne Eto de Majorque et Barrel Fosso. En rappel, ceux-ci font les frais d'un décret présidentiel de 2014 qui écarte tout joueur expatrié de la catégorie convocable à la sélection nationale. Le tournoi démarre le 26 octobre prochain. Cyclisme, le Grand Prix Chantal Biya 2019 connaît une légère modification de son itinéraire. Au lieu de 5 étapes, la compétition va connaître finalement 4. Pour cause, les 118 km à parcourir entre Yaoundé et Bafia ont été annulés. Ceci en accord avec le commissaire de l'Union cycliste internationale. Après les 109 km de ce jour entre Bertois et Abomban, la caravane va prendre demain la direction du sud. Au cœur d'une édition qui prend corps, la polémique s'invite au débat. Une polémique entre le ministre de tutelle et le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. La pomme de discorde est l'annonce par Honoré Yossi, le président de la FECA cyclisme, du report de ce Grand Prix Chantal Biya édition 2019 pour raisons budgétaires. La réponse sans détour de Narcisse Moalekombi, le ministre des Sports, a quelque peu remis les pendules à l'heure pour cette compétition qui s'achève dimanche. Sénégal, sale temps pour la sélection U17 des Lions de la Teranga. 8 joueurs de cette équipe devraient quitter le groupe. Ils sont soupçonnés d'avoir falsifié leur âge. Le Sénégal, qui joue son premier match le 27 octobre prochain contre les États-Unis, doit déjà réfléchir sur une stratégie efficace de remplacement de ces joueurs incriminés. Logés dans la poule D, les Lionceaux de la Teranga vont aussi avoir affaire au Japon et au Pays-Bas. Invité au tournoi après la décision de la Confédération africaine de football d'écarter la Guinée, qualifiée sur le terrain pour fraude d'âge, la question actuelle est celle de savoir si le pays, à son tour, ne va pas être disqualifié avant le début du tournoi. Affaire à suivre. C'est tout pour la capsule de sport sur votre chaîne. Vous pouvez dès à présent retrouver ce programme et tous les autres sur Facebook, YouTube ou encore www.refletdafriquetv.com. Merci à tous.